Ok, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien, bien écouter pour ma part, j'ai vraiment super bien comme d'habitude. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Du coup, juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout simplement vous présenter un magnifique produit. Ok, tout simplement, c'est des nouveaux écouteurs sans fil, ils sont vraiment magnifiques. Du coup, on va tout simplement les déballer, du coup, je viens tout simplement juste de les recevoir. J'ai déjà retiré le fil de plastique qu'il y avait par dessus. Du coup, il y a encore ici le magnifique buff. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets juste en haut. Du coup, on va tout simplement déballer les tout nouveaux écouteurs ensemble. Voilà, c'est une boîte en carton. Moi, je trouve vraiment assez sympa une petite boîte en carton comme ça. C'est voilà, c'est vraiment stylé. Du coup, on ouvre la boîte. On a simplement un petit papier comme d'habitude. Du coup, on se retrouve avec les écouteurs. Ok, waouh, ils sont waouh. La boîte, elle est belle en plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on va voir ce qu'on a à l'intérieur. On a toujours le fameux autocollant. Ok, du coup, je vais tout simplement déballer toute la boîte et je vous retrouve juste maintenant. Alors, du coup, je viens tout simplement de tout déballer. Alors, du coup, première chose, on a simplement un petit câble pour charger le petit boîtier. Après, on a tout simplement ici des petits embouts pour en fait tout simplement pour changer les écouteurs. Du coup, c'est tout simplement des écouteurs intra-auriculaires. Du coup, ils sont vraiment super bien. Moi, j'aime bien les écouteurs intra-auriculaires. Du coup, vous avez tout simplement pour changer tout ce qui est à l'intérieur de l'écouteur, etc. Vous en avez tout simplement 4 de différents. Alors, après, vous avez tout simplement le fameux autocollant. Ok, vraiment une petite clé comme ça. On va mettre ça de côté. Vous avez la notice si vous n'avez pas comment utiliser les écouteurs et tout. Voilà. Après là, vous avez les écouteurs, on va les ouvrir ensemble. Hop là. Waouh, ouais, ils sont vraiment belles. Ils sont toutes neuves. Hein. Voilà, ils sont vraiment belles. Hein. Voilà, vous pouvez voir, je suis tout en live. Hein. Je viens juste de le recevoir et tout. Voilà, du coup, on va simplement les déballer. La boîte, elle est vraiment super belle. Hop là. Ça fait penser aux écouteurs d'Apple. Voilà, ici, vous avez simplement la petite référence. Ici, c'est simplement pour charger les écouteurs. Vraiment, ils sont vraiment super belles. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Du coup, vous retrouvez tout simplement la description du produit, le lien Amazon tout simplement dans l'espace description. Voilà, si vous voulez l'acheter. Moi, je vous dis vraiment pour ce prix-là, c'est vraiment pas cher du tout. Vraiment, c'est des bonnes écouteurs et tout. Voilà, je vais tout simplement tester. Je vous dis ça sur Instagram si je trouve vraiment super bien ou pas. Du coup, venez me suivre sur mon compte Instagram. Bonne vidéo. Allez, ciao. Bonne vidéo. Ok, ok, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour un peu, j'ai vraiment super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le plus important, c'est d'utiliser mon code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, là, vous faites soutenir un créateur et là, vous rentrez mon code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on va tout simplement débloquer toute la boutique Fortnite gratuitement. Du coup, il y a tout simplement le tout nouveau skin Patrouilleur des Neiges et le skin Artica qui va tout simplement 2 sorties qui coûte tout simplement 1200 V-Bucks. Aujourd'hui, on va pas les acheter, on va tout simplement les obtenir gratuitement. Juste avant cela, n'hésitez surtout pas à utiliser mon code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, vraiment, n'hésitez surtout pas à utiliser mon code créateur Fintex. Voilà, vous rentrez là, vous me soutenez durant 14 jours. Simplement pour commencer le game, vous êtes simplement fait un retour. Dans faire un retour, vous allez cocher bug bug. Après, dans le sujet, vous allez écrire exactement la même chose que moi. Et d'accord, le message, la même chose que moi, vous devez bien écrire les numéros et le skin Artica. Vous devez écrire bug actif. Après avoir cela, vous êtes simplement envoyé votre message. Envoie du message, c'est qui le meilleur. Après, vous allez dans vos paramètres et là, vous faites région de match hacking. Là, vous allez simplement mettre auto Amérique du Nord. En fait, vous allez simplement passer sur toutes les régions. Après, là, vous allez revenir sur auto. Après, là, vous allez simplement avoir un petit bug. Après, vous allez lancer une partie en solo, comme dans la vidéo. Du coup, il y aura simplement un petit accéléré. Du coup, arrivé dans la prochaine en solo, ce que vous allez faire, vous allez simplement sauter le plus rapidement possible, comme dans la vidéo. Vous allez simplement atterrir le plus rapidement possible. Après là, vous allez ouvrir votre planeur, vous allez atterrir dans un endroit, peu importe l'endroit. Moi, j'ai mis un petit accéléré pour que ce soit plus rapide. Du coup, si vous êtes atterri sur la carte, ce que vous allez faire, vous allez simplement faire start. Dans faire start, vous allez faire un retour. Là, vous allez cocher la case bug et dans sujet, vous allez écrire exactement la même chose que moi. Vous allez bien écrire le numéro dans les corps du message. Vous allez envoyer votre message chez qui le meurt. Après, là, vous allez simplement casser le plus de matériaux possible. Comme dans la vidéo, en fait, c'est simplement pour vous suicider le plus rapidement possible. Si vous avez atterri à côté d'une colline, vous sautez. Là, comme moi, j'ai mis un petit accéléré pour que ce soit plus rapide. Du coup, une fois suicidé, comme dans la vidéo, ce que vous allez faire, vous allez faire retourner au salon.
allez attendre le chargement du lobby. Une fois arrivé dans le lobby, ce que vous allez faire start. Vous allez aller vous rendre dans vos paramètres. Arrivé dans vos paramètres, ce que vous allez faire région de match tracking. Après là, vous allez enregistrer vos paramètres. Là, vous allez choisir le mode de jeu. Une fois choisi le mode de jeu, vous allez cliquer sur le mode de Battle Royale. Vous allez attendre le chargement. Après, normalement, quand vous allez dans la boutique d'objets, normalement, on va obtenir tous les skins gratuitement. Et j'espère que ça a marché. Et voilà les potes, vous pouvez voir qu'on a obtenu tous les skins gratuitement. Même le skin Krampus, on ne devait même pas l'obtenir. Le bug a super bien fonctionné. Voilà les potes, c'était Fintech. Si vous voulez plus de glitch sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Utilisez mon code créateur. La chaîne YouTube de Brax se trouvera dans la description. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube et à ma chaîne YouTube. Cela nous fera vraiment super plaisir. C'était Fintech. Moi, je vous dis ciao, bon game tout le monde. Allez, bye. Active la notif, man, active la petite cloche. Mets ton pub au commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like. Active la notif, man, active la petite cloche. Mets ton pub au commentaire.